C'est tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les gars, j'aimerais vous annoncer une triste nouvelle quand même parce que ça fait quand même plusieurs temps que je suis avec eux, mais malheureusement aujourd'hui je dois vous annoncer que je quitte Kicksteam. Comme vous le savez, depuis peut-être un peu plus d'un an, j'étais avec Kicksteam en tant que créateur de contenu, mais c'est malheureusement le temps pour moi de passer à une nouvelle aventure, donc c'est la fin de Kicksteam. Kicksteam qui était une équipe CRL dans la CRL Est, une excellente équipe qui ont fini top 3 cette saison-ci, mais malheureusement c'est la fin de notre chemin ensemble. Alors je leur souhaite le plus grand des chances, sincèrement c'est une excellente équipe, un excellent staff, un gros merci à Charles surtout de m'avoir fait confiance bien sûr dans toute cette aventure-là, donc un gros merci à eux. Mais les boys, ce n'est pas fini pour moi bien sûr parce que j'ai une nouvelle aventure qui va bientôt commencer. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter ça dans les prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. Mais tout ce que je peux dire en ce moment, c'est que je vais rejoindre une nouvelle équipe, mais en tant que joueur et donc créateur de contenu. Alors oui, je serai un joueur dans cette équipe-là. Et c'est une excellente équipe, une équipe semi-pro. Alors bien sûr, comme vous le savez, dans la compétition, on pourrait dire, il faut vraiment varier notre deck pool. Parce que comme vous le savez, je maîtrise quand même assez bien mon deck Lobbait, c'est mon deck préféré. Mais si on veut jouer en compétition, il faut avoir vraiment une deck list qui est variée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va un peu se préparer. Pendant le temps que je ne joue pas trop de compétition, j'aimerais vraiment m'améliorer justement pour varier ma decklist. Et je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui jouer un deck que je ne joue pas beaucoup sur la chaîne ou tout court en fait. Et c'est le fameux deck Golem, pas mal classique, mais avec la version Squelette Dragon. Je sais que je vous ai déjà présenté un deck Golem Ballon, mais cette variation de Golem, c'est vraiment un deck Golem, on pourrait dire, classique et très bien en général. Donc aujourd'hui, on va se pratiquer avec un deck qu'on ne joue pas souvent. C'est vous qui l'avez décidé dans le Discord, je vous avais donné le choix entre soit le Golem ou bien le deck Mega Knight Sapper. Et finalement, vous avez choisi le deck Golem. Alors si jamais vous voulez influencer mes prochaines vidéos, n'hésitez vraiment pas à checker notre serveur Discord dans la description. Mais en tout cas les boys, on veut varier notre decklist, alors allons-y dans une première game Golem. Alright les boys, donc dans cette prochaine game, nous allons jouer contre Monsieur Sonix Gamer du clan Axe. Et nous avons, une main de départ quand même correcte, pas la meilleure. Et là on voit un esprit de soin, je me demande si c'est quel deck. Soit du ballon, soit du cochon royal. Donc en tout cas on va juste, on pourrait dire défendre ça avec un feu à barbare. Et là, alright les boys, je suis pas mal sûr de ce que je vois en fait. C'est un deck trop mousquetaire avec les cochons royaux. Donc là je vais en profiter pour jouer une belle petite tornade ici pour activer la tour du roi, je pense. Ouais, je pense que c'est pas pire ici. Les dragons squelettes qui vont réussir à prendre deux coups seulement. Juste un dragon qui va réussir à prendre un coup. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, il vient juste de jouer, comment dire, ses cochons royaux. Donc il peut pas vraiment... Ok, il va mettre la pression avec une voleuse de l'autre côté. C'est quand même bien joué de sa part. Je vais essayer de... Ouais, est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. La tour du roi était quand même bien focusé sur ça. C'est pas la fin du monde. C'est bien correct. Et là, par contre, on va essayer d'y aller avec un bon son de lightning le plus rapidement possible, bien sûr. Donc, je suis en train de spammer ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Boum, boum, boum. Ok, c'est pas pire, c'est pas pire. Là, la question, c'est est-ce qu'il va... Ok, non, je vais défendre. Et la tour du roi va essayer de défendre ça. Je vais essayer de jouer un bon feu à barbare. Et honnêtement, je pense que j'ai fait la meilleure des défenses que j'aurais pu faire. Et je pense que j'ai fait des bonnes décisions dans les 3-4 derniers plays. Donc, c'est pas pire. On apprend le deck quand même. Mais je pense que ma décision et mes décisions étaient quand même assez bonnes. La bonne nouvelle maintenant, c'est que pour défendre ces cochons royaux, on va toujours utiliser nos dragons squelettiques au pire. Puis, ok, ouais, on va jouer ça comme ça pour les attirer tout au milieu, donc c'est quand même pas pire. Et ensuite de ça, en fait, même si il réussit à prendre quelques coups, on aura une contre-attaque. Le chasseur qui va bien tuer nos cartes, malheureusement, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le truc principal, en fait, c'est qu'il devrait pas avoir de gros sorts comme soit une boule de feu, poire de poison, quoi que ce soit. Donc, nos dragons squelettes sont pas mal safe, on pourrait dire ça comme ça. Mais on veut encore plus, on veut y aller, on veut y aller les boys, on veut avoir les plus de couronnes que ça. Donc, on va jouer Nightwish comme ça. Oui, s'il vous plaît, merci mesdames et messieurs. Good, juste pour être sûr de prendre aucun coup. Il a joué une belle voleuse, mais c'est chill, c'est chill. Et là, on va voir, ok. Je pense qu'il va essayer de bait mon Lightning, voir si je joue mon... Ok, on va y aller ça comme ça. Ok, nice. Là, je vais jouer mes Skeleton Dragons. Il devrait pas avoir de trop bon counter à tout ça. Donc, on va y aller tout simplement avec les doubles dragons. Je vais en profiter pour jouer un sort de Lightning du côté droit pour tuer justement les deux mousquetaires. Et aussi tuer la tour, finir la tour. Donc, c'est quand même très bien pour nous jusqu'à maintenant. Et là, on va voir c'est quoi ses prochaines attaques. Il va sûrement jouer un coup... Push cochon royaux, ouais c'est sûr à 100%, on va y aller maintenant avec un tout petit fût, une belle petite tornade ici pour être sûr de prendre aucun coup. Ouh, pas trop de coups, oh j'ai un peu foiré, mais c'est pas trop grave, 10 secondes mesdames et messieurs, nous avons maintenant un sort de lightning en défense. Ouais, on va juste attendre, s'il vous plaît, focus.
C'est chaud, c'est vraiment, vraiment chaud, mais on réussit quand même à avoir la victoire. Il nous dit waouh, je pense qu'on a quand même un bon match-up, mais c'est parfait comme ça. Ok, donc là, nous allons jouer contre Monsieur Moral du clan Nova French Army. Alright, c'est super. Donc, c'est un joueur français, je crois que c'est quand même un très, très bon joueur. En tout cas, tous les joueurs NFA, pas mal, sont, ils ont un certain niveau, donc c'est super. On le prend. Et là, on va voir une mousquetaire. C'est parfait. Là, je vais juste cycler ma Night Witch derrière. On va voir ce que ça va faire. Ça peut être du Mega Knight Sapper, honnêtement. Je ne suis pas sûr encore. Mais je crois fortement que c'est ça. Donc, on va y aller un peu agressif au pont. On veut vraiment tuer toutes ces cartes. Il va jouer ses colis royales. Bon, c'est chill, c'est bien chill. J'ai les dragons qui sont tellement forts. Waouh! Les dragons qui vont réussir à tout défendre ça. Il va maintenant bien kiter avec mes... Il va bien kiter avec son golem de glace. Et je crois finalement que c'est pas un deck... C'est pas le deck que je pensais. C'est un deck cimetière probablement. Donc, on va y aller un peu plus safe. Je pense qu'il va falloir qu'on attende un peu en double elixir, à moins qu'il fasse une grande erreur, mais à part de ça, c'est correct. Donc, nous voyons un chasseur. Puisqu'on a la cage goblin de l'autre côté, je vais y aller du même côté que le chasseur. Le chasseur qui est aussi un très 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 bon counter au golem, donc voilà, on va y aller comme ça. Et je vais essayer d'y aller avec un feu à barbare intelligent. Qui est quand même... c'est bon. On va quand même réussir à bien défendre ça relativement. Ce qui est pas mal du tout. Nice. Est-ce qu'on aura assez de temps pour jouer quelque chose d'autre? Non, je vais juste jouer des Skeleton Dragons pour essayer de tuer le prince le plus rapidement possible. Ma deuxième décision, c'était soit un Lightning, mais en même temps, j'avais pas beaucoup d'élixir pour ça, donc c'est parfait. Les golems et ici les dragons qui vont faire de très très bons dégâts. Waouh, nice. Vraiment, vraiment nice. Je ne dis pas non à ça. J'aurais aimé faire plus de dégâts. En même temps, il y avait le collier royal qui défendait super bien, il y avait aussi le chasseur, le prince sur tout ça. Donc, on ne se plaint pas, on dit oui, mesdames et messieurs, et on attend les doubles élixirs pour pouvoir vraiment faire un bon push golem, et c'est ça qu'on souhaite, les amis. Donc, ok, là j'ai joué avec ma cage golem de l'autre côté, je pense que je vais quand même y aller avec un golem. Est-ce qu'il va y aller avec un play de l'autre côté? Non, parfait. Parfait, donc maintenant on va encore faire la même défense, un peu la même défense. Un bon feu à squelette, là par contre la cage golem va vraiment nous aider contre la chasseur, donc ça c'est quand même très très bon pour nous. Je vais y aller maintenant avec des Skeleton Dragon directement sur ça. Il va jouer, ok, il va sûrement jouer un Colis Royal. What? Il y a un Freeze aussi, oh mon dieu, cet homme est un homme fou. Mais c'est parfait parce qu'on va jouer un Lightning, s'il vous plaît, tuez ça rapidement. Il a déjà tout joué, je pense. Il va sûrement avoir le Colis Royal, ouais, en effet, mais il a manqué, oh mon dieu, il a manqué ça. C'est parfait, on va faire de quand même très très bons dégâts. La Night Witch, qui va réussir à tuer ça, c'est parfait les boys. On va y aller repartir sur un autre golem, ça va le forcer à jouer une sorte de freeze. Et là, on devrait avoir un très 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 bon avantage en termes d'élixir. Alors c'est super, on continue à mettre la pression et c'est ça. On va y aller tout simplement comme ça. On va cycler maintenant nos Skeleton Dragons. On va aussi jouer, attends, il va jouer un sort de freeze, il va avoir, oui. Ok, on va jouer un bon sort de lightning contre tout ça, il va avoir un bon sort de poison à jouer. Mais regardez ici, on a déjà un bel avantage. Il va sûrement jouer maintenant son collier royal. Il est obligé en fait. Mais on met la pression, on commence à spammer les boys. Let's go. On va jouer au Skeleton Dragons aussi. Il reste seulement quelques points de vie à aller chercher. On va y aller avec une tornade. Je sais que ça va prendre activer la tour du roi. Mais on va réussir à prendre une win comme ça contre Monsieur Moral dans cette game-ci face à du cimetière. Et c'est parfait. Alright, donc pour continuer, ça sera contre Monsieur ici qui nous souhaite bonne chance directement. Donc nous aussi, on va lui souhaiter bonne chance. Et là, j'ai quand même une bonne main de départ, dans le sens qu'elle est quand même pas pire défensivement. J'ai pas la tornade en main, j'ai le golem en main aussi, donc à la limite, je pourrais faire un golem first play. Mais comme je vous ai dit, j'aime pas vraiment ça faire ça. Donc, on va attendre et voir ce que lui, il joue. Et là, il nous joue rien, donc on va juste y aller avec une cage goblin. C'est un play pas mal safe, dans le sens que c'est un play comme si on n'avait rien fait. Puis à chaque seconde qu'il ne joue rien, en fait, eh bien, on va réussir à avoir un bel avantage. Et là, je vais essayer de tenter quelque chose. Je vais jouer une boule de feu. Je vais essayer de tenter quelque chose, les boys. Oh mon dieu, si j'avais réussi à genre pre-shot ou on pourrait dire pogner le archi-magique, là, on aurait pris tellement de bons dégâts. Donc malheureusement ce n'est pas le cas, mais les boys c'est parfait, on fait de très 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 bons dégâts au tout début. On ne perd pas l'avantage en termes d'élixir, je pense qu'on le maintient bien tient en plus, fait que c'est quand même très très cool. Par contre, on peut s'attendre à du cochon royal probablement, alors on va y aller un peu plus slowly. Je vais maintenant juste jouer un feu à barbare pour gratter quelques coups sur la tour si jamais on en a besoin. On veut jouer safe, on veut jouer du beau jeu, donc on y va comme ça tout simplement. Un petit baby dragon pour défendre aussi le électro sorcier. J'aurais pu jouer un golem, je pense, j'avais un petit avantage en termes d'élixir, mais je voulais vraiment y aller un peu plus safe, donc c'est correct. On y va au feeling, et là,
pense que... Ok, c'est vraiment, vraiment bizarre. Mais les boys, je vais aller avec mon golem, ok. On a... On va jouer la Nightwitch derrière. Ok, c'est bon, c'est correct, c'est correct. Je vais essayer d'activer ma tour du roi aussi. Donc c'est un deck P.K. Bridge Pam qui l'a. Let's go, s'il vous plaît. Oh mon dieu, comment ça, ça l'a pris, ça l'a rien amené au... What? Ça l'a rien amené à la tour du roi. Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Je peux porter plainte à ce personnage. Non, c'est pas vrai, je vais pas porter plainte. Mais, ok, c'est bon, on va faire de très, très bons dégâts quand même. On va essayer de prendre la tour. Mais au moins, okay, si on prend la tour, tout est pardonné. Sinon, c'est pas incorrect. Ah, dommage, dommage, dommage. Je vais quand même devoir réenchaîner. Il joue une belle boule de feu, en fait. Très, très, très dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. On va maintenant jouer ça comme ça. Là, la question, c'est est-ce que j'y vais pour la tour de droite ou la tour de gauche? Je pense que je vais devoir y aller de la tour de droite parce que je vais pas pouvoir cycler deux lightning. Sinon, ouais, non, c'est ça. Je vais pas pouvoir cycler deux lightning, c'est sûr, à 100%. Fait qu'on va y aller du côté droit. Ça va aussi, comment dire, il va, ça va le forcer aussi à jouer du même côté que nous. Ça va l'empêcher aussi de l'attaquer, donc c'est quand même très pas pire. Et là, on va lui faire un beau sort de lightning, mesdames et messieurs. Nice. On va y aller avec des dragons ici qui vont... espérer faire une belle défense. Il va peut-être jouer... Non, il a déjà joué une boule de feu. Non, là, il devrait recycler sa boule de feu, mais on est obligé d'y mettre beaucoup, beaucoup de pression. Donc, on va devoir jouer une belle tornade encore une fois. S'il vous plaît, let's go! Let's go! Ok, ok, ok. Là, on est back into the game, boys. Deux dragons qui vont tuer ça. Espérons-le. Nice. Super. On est back into the game. J'avais un peu peur que j'avais un peu... que j'aille un peu manquer ça. Manquer ma chance avec ma tornade de l'autre côté. Finalement, ça... Tout qui va bien finit bien, hein, c'est ce qu'on dit, ou quelque chose comme ça. Là, je vais essayer d'y aller. Oh. Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va juste y aller avec un golem. J'ai l'impression qu'on a bien défendu ça avec moins d'élixir que lui, donc on maintient l'avantage. C'est parfait. C'est le P.K. ici qui va un peu nous embêter, surtout en double élixir, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. On va maintenant jouer une cache goblin et espérer qu'elle focus sur les autres cartes quand elle meurt ou quand elle procède d'y aller. Oh oui, parfait, parfait, parfait. Elle fait ce qu'elle veut. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, on va juste tuer l'archer magique, s'il vous plaît. Nice. Je pense qu'encore une fois, je vais y aller. Oh non! Ah, on est obligé de jouer une tornade ici. Pour ramener ça vers la tour du roi, j'ai pas fait attention. C'était sûr qu'elle allait jouer sa voleuse de ce côté-là. Mais j'ai pas fait attention, malheureusement. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. On va maintenant, encore une fois, jouer notre cache goblin vraiment haute pour tuer ça, puis espérer qu'elle focus de l'autre côté vers l'amusement, on pourrait dire, donc le P.K. et tout ça. On va maintenant jouer les dragons squelettiques. On va jouer aussi notre baby dragon, et on va essayer de tuer ça rapidement, s'il vous plaît. Nice. Ok, je vais renchérir avec un golem, les boys. Je vais renchérir avec un golem. Je sais que c'est très, très, très agressif. On va y aller avec un sort de lightning, s'il vous plaît. Mais le golem devrait réussir à prendre au moins une explosion sur la tour. Good, good, good. Joues-tu une voleuse? Non, tu vas jouer un babe. Ok, c'est parfait, les boys. C'est parfait, c'est parfait. On fait plus de dégâts que lui en ce moment. Faut juste faire attention à sa voleuse au milieu. Et on est vraiment chill. On est vraiment chill. Let's go! Le pré-shot, les boys! Le pré-shot, mesdames et messieurs! Quel game, quel game, quel game, quel game. Je joue ici la cache goblin. Faut juste plus de dégâts que lui. Faut juste plus de dégâts que lui. Il joue une belle boule de feu. Mais ça sera pas assez. Ça sera pas assez. S'il vous plaît, le petit pré-shot. Non, non, non! Let's go, les boys! On réussit à prendre cette win contre ce monsieur. Et c'est parfait avec la règle du tiebreaker. Mesdames et messieurs, merci, bonsoir. Alors, les boys, c'était le deck que je voulais vous présenter aujourd'hui, bien sûr, suite à mon annonce. Bien sûr, c'est un deck que je ne joue pas très, très souvent. Je pense qu'on s'est un peu débrouillé dans cette situation-ci, bien sûr, si on n'a pas joué parfaitement. Mais avec beaucoup de pratique, je sens que ça peut être un deck vraiment, vraiment solide et qui peut battre pas mal, beaucoup, beaucoup de match-ups. Vous avez pu voir quelques match-ups un peu plus difficiles que d'autres aujourd'hui dans cette vidéo. Mais j'espère vraiment, vraiment que vous avez apprécié. Comme je l'ai dit, Kix Team, c'était une excellente équipe. Un gros merci à eux pour tout ce qu'ils m'ont fait. Mais j'ai vraiment hâte de vous annoncer la suite de mon aventure en tant que joueur sur Clash Royale dans une excellente équipe, bien sûr. Mais en tout cas, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Un gros merci à tous vous qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. Mais je vous rappelle que mon code créateur, c'est LightPolux. Un gros merci à tous ceux qui l'utilisent, bien sûr. Mais les boys, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner à ce que je fais. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée sur la prochaine.